Après la réflexion par rapport à mon salon de coiffure, là, bientôt je termine avec ma formation. Tout est juré. J'ai un ami qui vient de la Turquie à qui j'ai donné l'argent pour acheter tout le matériel et le lieu est déjà connu. Je t'y amène la semaine prochaine, chérie. Donc tu as fait tout ça sans toutefois m'en parler, mon amour. Je t'avais demandé de te concentrer sur ta formation et le reste, je m'en occupe. Je nage, mon amour. Quoi? Je te rappelle, hein? Quand tu seras chez toi, je respecterai tes règles. Mais tant que tu es chez moi, respecte les miennes. Lève-toi, tu pars, où vas avec ta soeur? J'ai des choses à faire. Je me sens pas bien, maman. Sunita peut le faire. Et toi, tu fais quoi? Je viens de dire que je me sens pas bien, maman. Lève-toi, tu pars, où vas avec ta soeur? Je ne me sens pas bien. Je suis sûre que c'est à cause de l'homme-là qu'on me traite comme ça dans la maison aussi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? Et c'est pas encore la fin du mois, à ce que je sache. Je viens en mon nom et au nom de notre cité. Oui. Il faut que ta belle-sœur et toi, vous décidez qui est exactement notre païresse. Arrête ça, hein. Tu parles de quoi, là? Et de quelle belle-sœur? Elle a dit qu'elle s'appelait Michel. Elle a dit, nous a dit qu'à partir du mois prochain, c'est elle qui occupait les loyers. Quoi? Michel a osé? Daniel, merci de l'information. Sunita! Sunita! L'enfant, marche vite. Porte la bouteille si tu vas laisser au café. Je vous rejoins. Pas de mon vivant. Tant que je suis vivante là, Michel ne peut rien. C'est quand je serai mort que Michel va commander la maison là. Qu'est-ce que tu veux nous raconter, ma mère qui la met aussi en colère? Ta mère t'aille d'apporter la bouteille au café. Ok. Il a fini de parler, c'est tout pour partir. On dirait la photocopie de l'homme. Je vais tout voir ici. Je suis la bailleresse. Ah, d'accord. Et que puis-je faire pour vous? Franco n'est pas là. C'est pour vous que je suis ici. Hein? Moi? C'est pour vous que je suis là. Je suis venu prendre mon argent du loyer. Hein? Il y a deux jours, il est passé chez moi. Me disant que tu allais passer me gérer. J'ai attendu en vain, je n'ai vu personne. C'est pourquoi je suis là. Ah non, 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 madame. Je pense que vous vous êtes trompée de studio. C'est pas ici. Je sais très bien où je suis. D'accord? Je sais très bien où je suis. Est-ce que tu as compris là? Je sais très bien, c'est pas toi sa soeur qui vient en Belgique. Depuis que ton soi-disant frère habite dans la maison-ci, il n'a payé que deux mois.
Et il a déjà fait 3 mois sans payer mon loyer. Mais disant que quand tu vas rentrer, oh, tu vas payer ceci, tu vas faire ceci, tu vas gérer toutes mes factures. Depuis que tu es arrivé là, je t'ai dit. Voilà pourquoi je suis là. C'est pas possible. Donc, je me suis fait encore avoir. Madame, si vous ne pouvez pas payer ma maison, vraiment, hein, libérez-la. Si vous ne pouvez pas payer, libérez-la. Il y a des gens qui souffrent là-dehors. D'accord? Il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin de cette maison. Je me suis fait avoir. C'est pas possible. Donc je suis encore tombée dans le piège de ce gars. Hé, hey, Brunel. Mon loyer. Le commerce de ma grande sœur. Hey. Te voilà. Michel, qui t'a donné l'autorisation d'aller agresser mes locataires? Tu as demandé l'autorisation de qui avant de mettre la maison de notre frère en location? Ah bon? Parce que tu penses que tu as un mot à dire à ce qui concerne nos biens? En tout cas, Michel, je suis venu te donner le dernier avertissement. La prochaine fois, mes mots ne se feront pas. Au lieu que tu te trouves un mari, tu goûtes au mariage. Avant de rentrer chez toi, tu passes le temps, tu passes tes choses à tout le monde pour regarder ce que ton frère et moi, qui suis sa femme, nous avons fait. Michel, traverse encore le seuil de la porte là. Je vais t'écraser comme le cube que je mets dans la sauce. Je t'aurais prévenu. Et tes cheveux, c'est ça. C'est Akamba qui avait raison depuis le départ. Et moi, j'étais là aveuglée par la compassion. Et ça veut venir depuis. Ma belle. Bonjour. Bien femme, tout ça, maman. On était une veille là hier, maman. On est rentré comme nous sommes partis. Alors fais-moi seulement rapidement quelque chose là. Ne me dis pas. Même pas le petit café comme ça pour nous donner. Aïe. Là où je suis là, non. J'ai faim jusqu'à pas. Donc fais seulement rapidement quelque chose pour moi. Saute-moi. Tu as quoi les pattes, non? Oui, saute ça rapidement, s'il te plaît. Faim là jusqu'à. Le problème maintenant, c'est les allumettes. Depuis que Deborah est partie chercher les allumettes jusqu'à présent, elle n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas comment les enfants là sont. Je ne sais pas. J'ai déjà perdu au moins 13 clients ici là. Maman, laisse seulement les enfants de maintenant, non. C'est comme ça partout. Ah, les enfants de quoi? Les enfants de quoi? Tu veux mettre quoi sur l'enfant? Hein? Quand j'ai toujours dit dans la famille que la femme, si elle est bête, vous allez tout supporter. Hey, voilà. Akamba, je ne suis pas ton égal de un. J'ai les enfants qui te dépassent. Je suis arrivée dans votre famille, tu étais encore comme ça. Aujourd'hui, tu me parles fort. Tu ne peux pas m'expliquer qu'une femme comme ça là, pour porter tout ça là, elle oublie les allumettes. Hein? La boîte d'allumettes, c'est quoi par rapport à la bouteille de gaz? Hein? Il t'est jamais arrivé d'oublier quelque arrivez chose quoi, dans ta pardon, vie. Akamba, j'ai dit, ne m'insulte pas. Ici, c'est mon bureau. Tu as compris? Ton frère est mort depuis 6 ans. Ici, c'est mon bureau. C'est grâce à ça que je les avoue à l'école. C'est grâce à ça que je les nourris. Tu as compris? Pardon. Hors de mon bureau, s'il te plaît. Hors de mon bureau, s'il te plaît. Tout ça, c'est pour mon frère. Je dois jouir de ça, madame. Je te rappelle que si mon frère ne te retirait pas de la misère dans laquelle tu étais, tu n'allais pas avoir tout ça. Pardon? Tu viens aujourd'hui, tu te tapes les ailes. J'étais dans la misère. Quoi? C'est quoi avec Akamba, ne me manque pas de respect comme ça. Tu oublies vite, hein? Maman, tu n'étais pas dans la misère, tu étais dans quoi? Non, tu as, là maintenant, tu es déjà en train d'extrapoler. Je ne suis pas d'accord avec toi, Akamba. Michel, je dis, respecte la limite là. Je ne suis pas avec toi. Nous ne sommes pas familiers, s'il te plaît. Tu es venu pour moi aujourd'hui. Je suis venu pour quoi? Je suis en mission. Ah je suis bon. En mission. Il fallait me dire que tu venais en mission. Il fallait me dire. Donc je tu es en mission pas marcher avec toi. Ouais. Je te rappelle que depuis que ton frère est mort, ça fait 6 ans. C'est dans ça que j'envoie mes enfants à l'école. C'est dans ça que je les nourris. Tu as compris? Toi, tu n'as jamais accepté un cahier à un enfant. Okay. Tu as compris, non? Moi-même, je vais te rappeler que du vivant de mon frère, je ne souffrais pas. Je n'avais pas de problème de nourriture. Donc là où je suis là, frère, ce que tu peux mélanger là-bas, tu me donnes, je mange. Il n'y a pas. Voilà ce que ma part de frère a pris comme femme. Hey, tu arrêtes, je ne te permets pas.
Ne me sortez pas. Sors même. Tu es exagéré. Je ne pas. Tu as gagné aujourd'hui. Je l'ai même plus fait, maman. Baille. Allez chez vous. Ne pas toi mis tes seins dehors. Reviens encore ici demain voir. N'importe quoi. Faut pas m'énerver. Tu as même quelle charge? Tu as quelle charge là où tu es là? Les choses de mon frère, je vais manger. Viens manger. Malchance. Hé, hey, tout ça c'est Déborah. Si Déborah m'avait donné les allumettes depuis le matin, c'est que je ne suis pas dans cette situation. J'ai perdu au moins 13 clients, au moins. Je ne sais pas ce que je vais faire de cet enfant. Mais un jour, je vais réussir dans ma vie. Si j'avais eu la même présence d'esprit qu'Akamba, on ne serait pas là aujourd'hui. Elle m'avait bien prévenu et moi j'étais là toute bête, stupide. Et voilà ça aujourd'hui. Mais ça ne peut même pas se passer comme ça. It looks like you lost another one.